C'est systématique. Peu importe notre niveau d'études, une fois au foyer, on nous oriente vers un CAP ou un BEP. On demande aussi l'émancipation des mineures enceintes. Dans quelle optique? Celle de décider de l'avenir de notre enfant. Quand les gens ont honte de leur fille, ça peut les rendre violents. Ah oui, une dernière chose. On veut un nouveau règlement intérieur. La suppression des portes verrouillées et l'abolition de la réflexion. La réflexion, c'est quoi? C'est comme un cachot. On nous y enferme pour nous faire réfléchir, mais en fait, c'est pour nous punir. Vous pouvez parler librement, mademoiselle. Monsieur Sedom, surveillante, elle nous a toujours défendus. Pour pas la punir. Entrez. Nous vous attendions.